Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 13 octobre, nous commémorons Saint Édouard le Confesseur. Bonjour. Saint Édouard le Confesseur, également connu sous le nom d'Édouard le Juste, était roi d'Angleterre du XIe siècle. Il est connu pour sa piété, sa charité envers les pauvres et son soutien à l'Église. Né vers 1003, Édouard devint roi d'Angleterre en 1042. Il était réputé pour sa piété et sa dévotion envers Dieu. Il a travaillé pour promouvoir la foi chrétienne et a été un mécène de l'Église. Sa gouvernance était caractérisée par la justice et la bienveillance envers ses sujets. Il a également joué un rôle actif dans la construction de l'abbaye de Westminster à Londres, qui est devenue plus tard le site de l'abbaye de Westminster que nous connaissons aujourd'hui. Il a été canonisé en 1161 par le pape Alexandre III. Voici une prière adressée à Saint Édouard le Confesseur. Ô Dieu, qui avez donné à Saint Édouard le Confesseur la grâce de s'employer sans cesse à votre service et de rechercher avant tout votre gloire dans tout ce qu'il faisait, accordez-nous, par son intercession et sous sa conduite, de régler toujours nos actions selon votre volonté. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Théophile, évêque d'Antioche, Saint Gérard et Aurillac. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.